work, 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 work. See me at the work, 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 work. See me at the work, 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 work. I'm at work. Woohoo! They actually got look at it's not glow. Not glow. Hey girls, welcome back to my channel. Je voulais vous dire merci pour les 4000 vues. Ça fait depuis que un mois je suis sur YouTube et ça me fait trop trop plaisir. Et maintenant j'ai plus de 400 et quelques abonnés. Mais j'avais même pas encore 100 il y a 2 semaines. Donc ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment contente si mon histoire vous a plu. Et aujourd'hui je suis là pour vous raconter encore une histoire. Laquelle? La fuite avec mon argent. Je pense qu'il y a maintenant il y a 2 ans avec quelqu'un, un gars, et on va l'appeler Bob. Tout ça, il bicravait. Et un jour il me dit, ouais il m'appelle, il me dit oui, bébé, j'ai un gros problème, tout ça, problème de, avec le business, j'ai besoin que tu m'aides avec 200 livres et tout ça. Je me dis, mais ça bouffonne ou quoi? Je vais me demander de l'argent, moi je vais me donner en plus, c'est 200 balles frère. J'ai fait, donc tu sais quoi? Comme j'avais de l'argent dans ces temps-ci et tout ça, j'avais reçu de l'argent. J'ai fait, bon, tu sais quoi? Je vais les donner, c'est mon copain, il va faire quoi? Il va me faire mon bro. Il a dit en crédit, hein, c'est même pas pour dire donner, il va pas me rendre. Il faut bouger, il allait me rendre. Donc je me suis dit, bon, c'est calme, c'est rien. Et je lui ai passé l'argent. Je lui ai passé cet argent. Pendant 2 semaines, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Son numéro ne passait plus. J'ai fait, dans ma tête, je me disais non. Quelque chose s'est passé, je te passe 200. Déjà 200 livres, ça me fait putain ma frontale et mes 2 boules de tissage. Et parce que je voulais faire une bonne action, je voulais être gentiment, que je suis une vraie connasse. Tu vas fuir avec mon argent, tu vas même pas me dire merci, tu vas fuir. J'ai pas entendu, il pendant 2 semaines. Là. Le même jour, j'ai donné l'argent, je lui envoie un message pour dire ok, tout s'est arrangé. Il me répond pas. En fait, il m'a pas répondu. J'ai peur en fait. Comme il m'a dit, c'était un problème, vous voyez, depuis de Bicrave et tout ça. Donc j'avais peur. Donc j'ai fait, bon, qu'est-ce que je vais. Mais je le vois des fois, il snap normal dans une voiture. Ok, il snap, mais il peut pas répondre à mes appels et tout ça. Donc ok, j'ai fait snap. Il est toujours en vie, c'est une bonne chose. But nigga, where is my money? Where is my money? Eh? Where is my money? Eh? J'ai beaucoup de c'est quoi? Le nègre m'a pris pour une conne, je vais l'afficher. Parce que pour un garçon, 200 balles, c'est rien pour sa communauté. Si je dis à un de ses potes ou ses frères qu'il n'avait pas 200 euros, il m'a demandé déjà de demander à une fille de l'argent, c'est comme si tu as des problèmes. Donc j'ai fait, tu sais quoi? Je vais l'afficher. Je vais bien l'afficher. Je vais bien l'afficher si je ne donne pas mon argent. Je leur envoie des messages, j'ai fait monsieur, je n'ai rien à foutre où t'es, mais je veux juste mon argent parce que ce que tu veux nous faire, you got me fucked up, you got me fucked up, feel me. Donc, je fais, mais quand j'y pense vraiment, 200 livres, hein. C'est quel amour ça? 200! Le livre est plus élevé que l'euro, donc ça fait quoi? Ça fait 250 euros, imaginez quoi? Tu peux quoi? Des bouts de tissage, ton make-up à mac, tout ta poudre, ton panté, ton même ta palette, nickel 2, nickel 3, nickel 5. Parce que je voulais être gentil, que je veux aider mon prochain. Le gars il va partir avec mon argent. Je dis ok, on va voir qui va rigoler la dernière ou rigoler le dernier. Voilà comme on dit. Et j'ai appelé, j'ai mis déjà de 1 sur Twitter. When you trying to help a nigga with money and you run away with it. Les gens ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe de ça? J'ai fait, je lui ai passé 200 balles et il a fui. Et ça fait depuis 3 semaines, j'ai pas entendu parler de 2 semaines. Il faut un biscuit donc ça a tourné, c'est rentré dans ses oreilles. Et il m'appelle, il me dit ouais, pourquoi t'as fait ça? J'ai fait, tu t'es. Il fait ouais, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu dis à tout le monde que j'ai fait négro? Je t'ai donné de l'argent, t'as fui avec, t'es parti on the run. Tu veux que je fasse quoi? Je vais t'afficher. Tu sais, 200 euros ça fait combien? 200 euros ça fait quoi? J'ai fait, tu sais quoi? Si tu veux que je continue à t'afficher, ou bien que je débarque chez toi pour ta mère ou chez ton père pour expliquer des stuff, tu ramènes mon argent. Ça m'a fait sans faire la teuf, mais ça m'a fait un peu mal. J'ai fait. Donc après tout ce qu'on a vécu, tu vas partir ou peut-être tu vas me laisser à cause de quoi? 200 balles? C'est ce que je veux, c'est ce que tu voulais, si tu voulais être vraiment riche pour ça. Et dans ce temps, je vais pas me mentir, hein, j'avais des gens qui me feraient après un peu, mais tu vois, quand tu veux être fidèle, voilà, j'ai fait. J'étais choquée. Même à ce temps-ci, je vous explique, je suis toujours choquée. 200 livres.
J'aurais pu m'acheter une belle petite paire de Jordan dans ça. Et après, elle, ça m'a tellement énervé. Hein. Et en plus, je l'ai appelé tout ça pour dire, bref, moi je veux plus être avec toi, c'est pas mon problème, fais ce que tu veux, tu vas aller voler quelqu'un d'autre, mais choco na choco, tu vas me rendre mon argent. Et il me rendait pas, ça fait au moins un mois que j'ai pas entendu parler. J'ai fait, tu sais quoi, là je n'ai rien à foutre, là c'est le respect, il est tombé. J'ai fait, tu sais quoi, bon je vais partir chez lui, mais je suis pas partie toute seule, hein. J'ai ramené genre la clique. J'ai ramené mon frère et mon cousin et ma soeur et tout, on est parti. C'était plus une question de l'argent, c'était une question de respect avec mon frère, tu vois. Il m'a dit, là ça manque de respect déjà de 1. Quel de 1 vous sortez ensemble? Oui, certes, tu l'aides. Et là, il te l'a fait à l'envers. Ah non, aujourd'hui, va nous donner un... Il y avait son frère qui est sorti, ouais, t'as pas honte, il a mis une grosse claque. Genre, parce que déjà de 1, 200 balles, c'est rien pour ses frères. Donc il se dit, ça manque de respect. Et le fait que les gens, nous, on a débarqué chez eux, c'était encore pire. Devinez quoi? Attendez, ramassez l'argent de maman. J'utilise son argent pour les vidéos. Pas fait vraiment moi parce que je l'ai bien. J'ai fait beaucoup de choses. Et depuis ce temps, j'ai raconté à personne parce que c'est un peu fiché. Les gens vont dire que je suis une bouffonne ou bien je suis une canard ou un canard, je sais pas comment vous dites là. Donc pour raconter, c'était vraiment dur. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis un conseil. Comment vous pouvez faire les choses? Non, venez pas. Moi, c'est un conseil, non. Non, non. Au moins, maximum, vous pouvez donner, c'est 20 euros. Bitches! Finalement, ça m'a trompé ça. Là, je me suis dit, pour lever bien mon téléphone, je te donnais l'argent, c'est bon, t'as fui. Moi, j'étais un bouffon, j'avais trop mal au cœur, moi. Regarde-moi, ça cause de 200 balles, tu vas me laisser, frère. C'était bien mignon, hein. Un petit connard comme ça là. Et c'était pour vous dire à donner un conseil. Si vous devez genre donner de l'argent à votre gars, donnez pas plus de 20 euros. Hein. Donnez une somme que c'est. Si par exemple il vous rembourse pas, que ça va pas vous faire mal. Parce que moi, non, je pouvais pas. Donc après ça, moi je vous dis juste donnez pas. Vous pouvez donner si vous savez. Déjà ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais tu sais que forcément il va te le rendre. Mais là, dans mon cas, Donc maintenant pour même payer un grec ou bien même je sais pas un croissant, non je peux pas. Donc le truc c'est que il y a certaines personnes qui sont des relations comme ça, hein, elles pensent que c'est de l'amour, mais les personnes elles sont juste là pour en profiter d'elles en fait. Peut-être mon histoire elle est petite, elle est pas vraiment grande, mais je voulais vraiment la partager avec vous. Et j'espère que vous allez faire attention parce que il y a des gars qui sont là, ils font les malins, ils ont de l'argent, ouais. Je sais pas à des apparences parce que le gars il était bien, mais juste pour 200 euros elle a disparu. Donc je me suis dit, tu sais quoi. Maintenant, l'apparence, elle est rien pour moi. Rien. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merde, c'était pas là. Okay. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les filles. See you in my next video. Aussi, je voulais vous demander si vous voulez que je fasse des tutoriels de make-up. Ou bien ce look et le look de la vidéo que j'avais avant. Laissez-moi en commentaire ou bien inboxez-moi. Sur Instagram, Facebook. J'ai des filles qui m'envoient des messages sur Instagram. Donc mon Instagram va être écrit juste là. Donc je vais dire quand même I am Debra Powers. Donc n'oubliez pas, si vous voulez m'envoyer des messages, des conseils, tout ce que vous voulez, je suis là pour vous.